Allez. J'ai commencé à pacter tout ça. Je suis surexcité, mais je sais pas par quoi commencer. Ah ouais, trop bien. C'est bon? Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. J'ai fait un déménagement et je me demandais si vous avez des cartons vides. J'ai fait le tour de mon quartier. Je pense que tout le 18e est au courant que je déménage. Merde. Non. Attendez, je viens de tomber sur un truc barjo. J'ai plein de carnets de notes où j'écris des trucs pour le travail. Et là, je viens de tomber sur un texte qui n'est pas écrit par moi, en italien. Je ne sais pas qui a écrit ça et je parle pas italien. Mais c'est trop bizarre. Tu as marché pour me tourmenter cruel sans espoir et avec un bon souvenir, tu veux m'empoisonner et avec condal ce remembranza, remembranza, né encore, je vais profiter de moi, tu veux encore. On va jeter ce livre à la poubelle. Plus rien, il n'y a plus rien non plus, il n'y a quasiment plus rien dessus, il n'y a quasiment plus rien non plus. Mais en fait, je me suis trop avancé, mais il y a trop de choses, je sais plus quoi faire, mille choses qui ne servent à rien, est-ce que je les jette, est-ce que je les donne, et je ne sais pas quoi faire, il y a trop de cartons partout. Ça y est. C'est ma dernière nuit dans quelque chose qui ressemble à peu près à mon ancien appartement parce que demain, je déménage officiellement. La première fois que j'emménage dans un appartement aussi grand et surtout que j'emménage en couple, je me dis que là, c'est quand même un truc... Moi, je vais me rappeler vraiment toute ma vie. Je suis content de le filmer. Je pourrais le revoir à des moments plus tard, dans quelques années. Bon, allez, faut que je me couche, moi, parce que j'ai du taf demain. Évidemment, j'ai extrêmement mal dormi. C'est mon look pour la journée. Et Siri, c'est quoi la météo aujourd'hui? On dirait que le ciel est partiellement couvert aujourd'hui. Les températures en journée tourneront autour des 24 degrés avec des températures la nuit qui descendront aux alentours de 16 degrés. Ok. S'il n'y a pas de pluie, moi c'est tout ce que je demande. Hein. Mes amis arrivent dans une heure pour le déménagement. Du coup, je vais acheter des petits pains au chocolat, du petit jus d'orange pour les accueillir quand même. Il pleuviote. Ça a intérêt à arrêter parce que j'ai pété un câble. J'ai les croissants. Salut, vous faites. On est prêts pour le déménagement. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Tout Claire est arrivé. Une heure après l'heure de prévu, et on avait descendu tous les cartons. Du coup, elle va nous aider à décharger la camionnette. Là, j'arrive en retard, j'ai rien apporté, il se passe rien. Dans la rue, là-bas, je vais pas parler trop fort parce que j'ai peur qu'ils m'entendent. T'as un enterrement, et moi, je suis habillée tout en noir, et j'ai bloqué dans les gens. Moi, je me dis genre... Eh, bah, vraiment d'enterrement? Oui. Et du coup, genre, je vois les gens qui me regardent, je suis en mode... Ah non, 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 non. Là, on va chez la nouvelle maison de Nico. Une personne par étage, c'est-à-dire qu'on a été dans une optimisation certaine du déménagement, ce qui fait que tout bonnement, ça allait beaucoup plus vite que prévu. C'était même jovial. C'était jovial. Vous dites bonjour à vos nouvelles copines. Bienvenue dans la cuisine de Goofy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gâteau au chocolat. C'est parti les amis. À la porte. Aïe aïe aïe. On a toute la place pour pouvoir jouer au Bottle Flip Challenge. Je tiens la porte ou pas? Bah je sais pas. Bouge le bus, bouge le bus, bouge le bus. Tellement manger des boulettes. Mais le plaisir est bien partagé. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon aujourd'hui? Alors, une salade. Mmh. Et j'ai préparé des champignons et des petites carottes. Mais oui, on a la vue sur Paris, sur les buts de Chaumont. Juste pas les buts de Chaumont. Bah, c'est Vincennes, il y a le zoo là. C'est quoi ça? C'est le zoo. Tu vas arrêter de me hurler dessus? Oh.
a trouvé notre bureau, nos chaises et notre matelas. On a beaucoup avancé là. Donc là, après le super déjeuner, on retourne au magasin parce que Nico a oublié mon sac en testant les chaises de bureau. Donc là, on court pour être sûr de le retrouver. Les joies d'IKEA. Hey, bonsoir. Bah allez, on va trinquer. Ça y est! J'ai l'impression de porter la flamme olympique! Ok, bah maintenant on va le retourner. Ouais. Et on va voir le résultat. Comme si ça allait être un truc de ouf alors que c'est juste une table. Ok, Caro part en mission rosée et il pleut à l'extérieur. C'est le look. T'es trop assorti pour être faire un shooting. Ouais. C'est que ça? Je l'ai trouvé en bas à côté du portail. Il y a quelqu'un qui l'avait laissé. Il est pas dégueu en plus. Mais non, il est joli, c'est pour ça. Et le bois va avec chez toi. Je me suis dit, au pire, le cadre se garde quoi. T'es parti pour arroser, t'es revenu avec un tableau. On va monter les chaises. Oui. On a presque bu 2 bouteilles de rosé. Non. Presque. Ok. Premièrement, il faut assembler les pieds. Je pense pas que ce soit très confortable comme histoire. C'est une chaise un peu triste. Oh, ça roule! Ça roule, ma peau! On va signer un pacte de non-responsabilité en cas d'échec. Wow. Ça tourne beaucoup! Mais qu'est-ce qui tourne de... Non, mais pourquoi? Rosé, en rosé, chaise, ça mange pas! Là, j'ai des pots. Ah, j'ai ma lavalampe. Je peux la mettre au salon, la lavalampe? Tu peux le mettre dans le bureau si tu veux. Je pense que le bureau, c'est un peu ton espace. Mm-hmm. Et là, c'est un peu mon espace. Le salon? Plus la cuisine, c'est mon espace. Ah, ok. Je peux te donner aussi la salle de bain. Et je te donne la cave. La cave? Oui. C'est joli avec le tapis comme ça. Mm-hmm. T'en penses quoi? Je crois que je suis pas trop fan. C'était mieux les couleurs avant. Puis on met dans le bureau. Enfin non, avec les chaises, ça va être chiant, les chaises à roulettes. Ouais, dans l'entrée. Dans l'entrée? Ouais. Ouais, dans le placard de l'entrée. C'est meneur.